Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux ces derniers mois à suivre les vidéos que j'ai réalisées sur des voitures ultra puissantes comme la Porsche 9FF avec son moteur de 1200 chevaux, la Ferrari SF90 Stradale avec 1000 chevaux, la Ferrari la plus puissante de l'histoire. Et puis il y a eu aussi la RS7 Sportback avec son moteur de 1001 chevaux. Et à chaque fois, je reçois des dizaines, voire des centaines de commentaires sur certaines vidéos sur YouTube et aussi sur Instagram. Et je tenais vraiment à vous remercier pour votre fidélité sur ce type de contenu. Je vois que la passion automobile est encore très présente en ce moment. La Formule 1, c'est vraiment le Graal dans l'automobile, dans le sport automobile. Ça fait rêver des millions de gens à travers le monde. On le voit avec la dernière saison de F1, avec ce duel juste incroyable entre Hamilton et Verstappen, qui s'est terminé il y a quelques jours avec la victoire sur le dernier tour du dernier circuit de la saison de Max Verstappen. Et il est vrai que ça reste un univers assez inaccessible pour beaucoup de monde, hein, même pour moi hein, qui suis dans le monde auto. C'est vrai que la Formule 1, ça reste quelque chose de très exclusif en 2022. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de me rapprocher d'une personne que je connais qui est propriétaire de plusieurs moteurs de Formule 1, notamment ce moteur V10 de 3 litres qui développe un peu plus de 700 chevaux. Et j'ai décidé de le mettre dans un utilitaire. Alors bien sûr, pour des raisons écologiques, vous vous en doutez, hein, et puis pour des raisons d'homologation, je ne l'ai pas mis sous le capot moteur, non, je l'ai mis derrière. Cet utilitaire, il est produit par CRS, c'est le CRS EC35. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de villes mettent en place des zones à faible émission, les ZFE, donc qui vont dans quelques années n'autoriser que des véhicules 100% électriques. Et il y a un véritable besoin, notamment pour s'habituer aux nouvelles normes écologiques et environnementales, et aussi et surtout pour permettre à beaucoup de professionnels qui ont besoin de ce type de véhicule pour déplacer leur matériel notamment, de faire des économies. Car avec un véhicule électrique comme le CRS EC35, aussi bien à l'achat qu'à l'utilisation, vous en faites des économies. Donc c'est pour cette raison que j'en ai profité pour transporter ce moteur de F1 du circuit du Var, là où je me trouve, jusqu'à Monaco, où ce moteur va être récupéré par un client. Donc je vais positionner ce moteur à l'arrière et puis je vais en profiter pour vous faire l'essai de ce CRS EC35. CRS est une marque que je vous avais déjà présentée il y a quelques semaines. Je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, intérieures, et puis bien sûr, on ira faire un tour sur la route, et je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Bien sûr, si cette voiture vous intéresse, je vous ai mis le lien de leur site internet, vous cliquez sur le lien, vous allez sur leur site internet, vous pourrez découvrir l'ensemble des caractéristiques de cet utilitaire 100% électrique. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, on diffuse beaucoup d'actualités et de contenus exclusifs. Et moi, je vous dis à tout de suite. Je vous ai présenté il y a quelques mois le CRS3, comme indiqué. CRS sort deux nouveaux modèles cette année avec un utilitaire que je vous présente aujourd'hui, le C35, et aussi un SUV haut de gamme qui va être dévoilé d'ici quelques semaines. Sur l'extérieur, je vais commencer par la face avant, sur cet utilitaire, donc face avant assez raccourcie, avec une calandre très verticale, tout comme les feux, d'ailleurs les projecteurs à l'avant sont très verticaux, avec l'allumage automatique des feux, les feux anti-brouillard. Sur les jantes, on est sur des jantes en acier de 14 pouces, deux coloris sont disponibles, vous avez le gris comme sur la version que je vous propose, et aussi le blanc, dont je vous mets les images en insert. Il y a deux versions, une version 2 places, et une version 4 places assises avec pas moins de 3,1 m3 de volume utile. Ce qui est tout de même pas mal quand on sait que l'empattement fait 3,05 m. Une chose à noter, ça peut être pratique pour ceux qui font un tout petit peu de chemin avec leur utilitaire. Il y a une garde au sol de 19 cm, donc
vous n'aurez pas de mal à évoluer dans des chemins assez accidentés. Ça, c'est tout de même une bonne chose. Rétroviseurs qui sont manuels au niveau du réglage, avec un encerclement noir des fenêtres sur l'avant du véhicule. À l'arrière, sur les versions avec 4 places assises, vous avez une vitre. Juste ici, sur les versions 2 places, bien évidemment, là, vous avez de la tôle. Gros avantage sur le C35, c'est que les poignées ici vous permettent d'ouvrir aussi bien sur la gauche que la droite du véhicule, les portes latérales coulissantes. Ça, c'est super pratique, surtout pour les professionnels. Vous l'avez peut-être remarqué pour les plus attentifs, dans la calandre à l'avant du véhicule, ce n'est pas le logo CRS, mais le logo Dongfeng. Sur la partie arrière, une vitre assez large qui vous permet notamment d'utiliser le rétroviseur central, ça peut être pratique. Par contre, pas d'essuie-glace. Ça, c'est dommage, on retrouve le logo Dongfeng juste ici, juste au-dessus du support de plaque, une caméra de recul. Vous avez aussi un système de parking qui vous permet, via des bips, de savoir à quelle distance vous vous trouvez du véhicule qui se situe juste derrière vous. Autant l'avant, je le trouve, il est vrai, assez rustique, autant l'arrière est assez réussi. On est sur une gamme d'utilitaires, donc il ne faut pas s'attendre non plus à un design extrêmement attirant et attrayant. Mais en tout cas, pour ce qu'on lui demande, il fait largement le travail. Dans l'espace de chargement, 3,1 m3. Dans cette configuration 4 places assises et dans la configuration 2 places, là, vous aurez 4,8 m3. Vous avez en plus une séparation entre les places assises et l'espace de chargement avec une petite vitre. Ça aussi, c'est pratique. Et vous permet encore une fois d'utiliser le rétroviseur central en plus de la caméra de recul. Ça, c'est très pratique lorsqu'on manœuvre dans des espaces étroits ou en centre-ville. Pas de point particulier à noter sur l'espace de chargement, si ce n'est la présence d'une protection de plancher qui est juste ici, qui vous permettra de ne pas abîmer votre plancher de seuil de chargement et votre plancher de chargement. Et bien évidemment, la fermeture se fait manuellement. Sur ces dimensions, une longueur de 4,50 m, une largeur de 1,68 m, il est assez étroit, c'est vrai. Et en hauteur, 1,99 m. Hein, je vous le rappelle, je suis 1,88 m. C'est vrai qu'il est extrêmement haut par rapport à d'autres utilitaires qu'on a l'habitude de voir, souvent avec des largeurs beaucoup plus importantes. Un poids à vide de 1510 kg sur la balance, bien sûr à cause du poids des batteries, mais ce qui reste un poids assez contenu. Et il pourra transporter jusqu'à une tonne dans l'espace de chargement. Sur la motorisation, on a un moteur électrique de 82 chevaux, boîte automatique hein, bien évidemment. Une batterie lithium fer phosphate d'une capacité de 38,7 kWh. Donc vous pourrez effectuer sur un cycle mixte environ 270 km selon le constructeur et en ville uniquement 330 km. Sur les performances avec ses 82 chevaux et ses 200 Nm de couple, vous aurez une vitesse maximum de 95 km/h. On est loin des 370 km/h de la Gambala que je vous avais présentée. Mais encore une fois, la philosophie de la voiture, c'est évoluer en centre-ville et permettre à des professionnels, des artisans, de se déplacer dans des zones à faible émission sans aucun souci avec une bonne capacité de chargement. On ne lui demande pas des performances exacerbées à cette voiture, mais uniquement de permettre de se déplacer dans des zones à faible émission. Et puis surtout, ça apportera beaucoup d'économies à ses propriétaires, mais ça, je ne vais pas vous le rappeler, vous le savez déjà. Donc, vous pourrez recharger via cette trappe les batteries du moteur électrique. Sachez que ce véhicule permet des recharges maximum de 40 kW sur une borne de recharge rapide. Donc là, il vous faudra moins d'une heure pour recharger l'intégralité de votre batterie. Donc l'accès à la trappe se fait via cette clé. Et là, vous pourrez brancher le câble de recharge. Sur les accélérations, on est sur des accélérations, bien évidemment, avec 82 chevaux et 1,5 tonne à vide sur la balance qui ne sont pas très impressionnantes, mais on remarque tout de même que sur les premiers mètres, sur le 0 à 50 km/h, on a des accélérations bien assez suffisantes pour s'extraire, par exemple, de situations un petit peu compliquées ou d'un embouteillage ou tout simplement pour s'insérer sur une voie rapide. Sur son prix, la version 2 places que je vous mets en insert, elle s'affiche à partir de 33 480 € et la version 4 places assises avec la cabine approfondie, elle s'affiche à 34 560 €. Bon, l'avantage de ces véhicules, hein, vous l'aurez compris, encore une fois, vous pourrez évoluer dans des zones à faible émission. Il n'y a pas d'émission de CO2, vous êtes à 0 g de CO2 par kilomètre.
Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, dans leur activité professionnelle, utilisent des véhicules utilitaires. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que je dois avoir un utilitaire électrique ou je reste sur du thermique? Ça va dépendre bien évidemment de votre utilisation. Si vous avez l'habitude de faire de longues distances, 300, 400, 500 km, 2-3 fois par semaine, il est clair que ça ne va pas être le véhicule à acheter. En plus de ça, vous avez une vitesse max de moins de 100 km/h, donc forcément, ça vous limite dans les déplacements. En revanche, pour ceux qui ont l'habitude de quasi exclusivement utiliser leur utilitaire dans les centres-villes, ça a beaucoup de sens de passer à l'électrique. Déjà, vous avez des coûts d'entretien qui sont moins élevés. Vous avez une facilité d'utilisation dans les centres-villes qui est quand même assez évidente. Et puis surtout, dans les prochaines années, les centres-villes vont petit à petit être interdits aux véhicules qui polluent énormément, comme les véhicules diesel. Et ce sera l'occasion de se préparer à cette situation et de continuer à pouvoir travailler sans aucun souci. Et puis, il y a une chose qui est pas mal. Moi, je ne vais pas vous dire que je suis fan des électriques, mais il y a une chose qui est agréable. On évolue avec un véhicule dans le silence absolu. Alors ça, c'est au-dessus de 20 km/h. Vous allez comprendre pourquoi sur la partie de l'essai routier. Mais c'est vrai que c'est agréable de pouvoir se dire, lorsqu'on baisse les vitres, par exemple, qu'on évolue sans faire aucun bruit. C'est aussi ça l'électrique. Je sais qu'il y a les défenseurs du thermique qui vont crier très fort. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que l'évolution sans aucun bruit, ça apporte énormément de confort aux occupants du véhicule et surtout aux conducteurs. J'ai ouvert la porte un peu brutalement. Bon, à l'arrière, il y a quand même de la place, même si au niveau des jambes, vous savez que vous ne pourrez pas allonger vos jambes, mais regardez au niveau de la garde au toit, même des personnes de grande taille pourront facilement s'installer. Alors, on va être confortablement assis à 4 grands gabarits dans cet utilitaire. Et je pense que ça pourra beaucoup plaire, notamment à des personnes qui bossent dans le bâtiment, qui ont besoin de se déplacer en équipe pour aller travailler. C'est vrai que ça a beaucoup de sens d'opter pour cette version avec la cabine approfondie. Une petite chose que j'ai notée, c'est la présence des poignées juste ici et à ce niveau-là qui vous permettent de rentrer plus facilement dans le véhicule, qui a une bonne garde au sol, 19 cm, je vous le rappelle. Et il y a un petit bémol que j'ai retenu, c'est le côté ultra vertical du dossier de cette banquette. C'est vrai que lorsqu'on s'assoit, on a le corps complètement droit. Il aurait peut-être fallu un tout petit peu plus d'inclinaison pour apporter davantage de confort. Mais pour le coup, l'assise reste assez bonne. Et puis, on a une visibilité avec un puits de lumière qui est assez important avec cette vitre de séparation que je vous ai présentée dans l'espace de chargement. Et encore une fois, l'avantage aussi d'avoir des deux côtés une porte coulissante, ça aussi, ça peut s'avérer bien pratique. Sur les contreportes à l'avant, c'est assez minimaliste. Vous avez juste la présence des commandes de lève-vitre et les haut-parleurs. Vous avez deux haut-parleurs, un dans chaque contre-porte. Sur le confort des sièges à l'avant, autant à l'arrière, c'est vrai que la verticalité du dossier peut être un petit peu gênante pour certaines personnes. En revanche, l'avant accueille plutôt convenablement ses occupants avec un bon maintien et une assise assez souple. Point aussi plutôt pratique, vous avez une poignée de maintien pour pouvoir grimper, si je puis dire, dans votre utilitaire qui se situe juste ici. L'accès reste assez simple, avec une première marche qui est située juste là. Et regardez, moi j'ai réglé le siège pour ma taille. On est confortablement assis. Alors c'est vrai qu'il y a une chose qui est assez marrante, c'est la position du siège par rapport au tableau de bord. Regardez, je suis vraiment au-dessus du volant et du tableau de bord. Ça, c'est assez inédit. On a souvent l'habitude d'avoir le haut du tableau de bord au niveau de son buste. Bon, là, clairement, j'ai le tableau de bord qui est au milieu de mon ventre. Ça, c'est vrai, quand on rentre dans le véhicule, c'est un petit peu inédit, mais on s'y habitue assez facilement. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut, avec plus d'aisance, manœuvrer le véhicule dans les espaces étroits. Là, encore une fois, c'est bien vu par CRS. Volant à 4 branches qui est assez simple. Il n'y a pas de bouton multifonction sur le volant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir ça sur quasi
la majorité des véhicules qui sont vendus, que ce soit des véhicules pour particuliers, mais aussi des utilitaires. Là, ce n'est pas le cas. Ça permet aussi de proposer ce véhicule avec un tarif contenu. Vous avez le logo Dongfeng. Encore une fois, on n'est pas avec le logo CRS. Sur l'instrumentation, on a deux compteurs à aiguille avec un écran digital au centre, qui est assez lisible pour le coup, même si le design est un petit peu vieillot. Là aussi, on s'attend à avoir quelque chose d'utilitaire, pour le coup, c'est le cas de le dire, plutôt quelque chose de beau. En tout cas, ça fait le travail et c'est très lisible. Vous avez la vitesse, la charge de la batterie et aussi le rapport engagé. Donc, sachant que vous n'avez qu'un seul rapport, vous avez juste l'indication D, N et R pour la marche arrière. Sur le tableau de bord, il est en plastique dur. Hein. Là, on n'est pas sur du plastique moussé, mais ça aurait été étonnant d'en avoir d'ailleurs. Deux aérateurs centraux et des aérations aux extrémités, à droite et à gauche. Et warning au centre. Juste en dessous, un écran Android de 8 pouces avec caméra de recul. En dessous, vous avez les commandes pour le réglage de la climatisation qui est manuel et les anti-brouillards avant et arrière. Prise allume-cigare. Juste ici, vous avez deux portes gobelets qui sont présents en bas. Le sélecteur de vitesse se fait via cette molette. Comme je vous l'indiquais, donc D pour drive. N pour neutre et R pour la marche arrière. Et puis là, vous avez un frein à main mécanique. Ça, c'est plutôt rare. Passe maintenant à l'essai routier. Déjà, la première chose qu'on remarque au volant de ce CRS, ce C35, c'est qu'en dessous de 20 km/h, vous avez ce petit son qui était mis pour prévenir les piétons de votre arrivée. Alors vous savez que sur les voitures électriques, comme la Renault Zoé, hein, elle en est aussi équipée. Et c'est vrai que lorsque vous évoluez en centre-ville, la voiture, elle ne fait tellement pas de bruit que les piétons ne vous entendent pas arriver. Ça, c'est de série sur toutes les voitures électriques, hein, je vous le rappelle. Alors sur la route, pas un foudre de guerre, vous vous en doutez, comme je vous l'indiquais, 82 chevaux. Vous n'allez pas avoir les vertèbres qui sont disloquées à chaque accélération, ça va de soi. Mais en tout cas, ce que je note, c'est que pour un moteur avec seulement 200 Nm de couple, les relances à basse vitesse, hein, je précise bien à basse vitesse, sont amplement suffisantes. Là, je vais accélérer à fond. Bon, 50 km/h. Je vais essayer de faire une petite Vmax. Là, je suis à 80 km/h. Et en fait, quand je dépasse 80 km/h, il y a un petit bip qui est émis car il est homologué pour 80, mais vous pouvez atteindre 95 km/h, il faut le savoir. Là encore, lorsque vous allez transporter du matériel, des objets fragiles, pas nécessaire d'avoir de fortes accélérations, pas nécessaire de rouler à 140 km/h lorsqu'on évolue en ville. Et c'est là où ce type de véhicule a beaucoup d'intérêt. L'électrique, c'est vrai, a été beaucoup critiqué pour les autonomies trop faibles, pour une utilisation quotidienne et professionnelle. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez 270 km en consommation mixte annoncée par le constructeur sur des parcours mixtes. Donc, sur un parcours quotidien sur lequel vous allez peut-être faire 50, 60, allez, 100 km au maximum, ben, vous n'aurez pas besoin de recharger tous les jours. Et si vous avez besoin de faire pas mal de distance, ben, vous pourrez faire facilement 250 km sans aucun souci en centre-ville, puisque en centre-ville, il est donné pour 330 km, je vous le rappelle. Au niveau de la direction, alors la direction, elle n'est pas d'une précision déconcertante, mais comme le véhicule n'est pas extrêmement lourd, 1510 kg à vide sur la balance. La direction, en fait, elle vous guide plutôt correctement dans les courbes. Encore une fois, c'est pas sa vocation, hein, vous emmener à très forte vitesse dans des courbes sinueuses. Mais là où j'ai noté un avantage assez marqué, c'est sur sa facilité à braquer. La voiture braque extrêmement bien, malgré un empattement de 3,05 m. C'est vrai qu'on arrive facilement à se faufiler et à s'extraire de zones et d'espaces assez restreints. Sur le freinage, alors le freinage, pareil, j'ai été plutôt agréablement surpris par son efficacité. Je vais vous faire une petite démonstration, si le caméraman me le permet.
Je vais vous faire un petit freinage appuyé que vous voyez un petit peu. Ça freine plutôt correctement, les affaires sont même tombées derrière. Donc là, on est loin des véhicules, des premiers véhicules chinois qui étaient arrivés sur le continent européen, avec aussi bien sur la sécurité que l'efficacité du moteur, ou encore des organes de sécurité qui laissaient à désirer. Là, clairement, Dongfeng s'amuserait pas à commercialiser un véhicule avec des systèmes de freinage ou des organes de sécurité obsolètes. Même si d'un point de vue esthétique, les caractéristiques du véhicule font plus penser à un véhicule du début des années 10 ou même du début des années 2000, la voiture reste moderne. Sur les suspensions, le réglage est assez dur, mais quand vous chargez plus d'une tonne, vous avez intérêt quand même, pour garder une tenue de route correcte, à avoir une suspension assez ferme avec un réglage plutôt raide des amortisseurs. Là, je l'ai testé sur des petites routes départementales. On va maintenant le tester sur Monaco, où on va aller livrer ce moteur de Formule 1. Et là, en centre-ville de Monaco, on se rend compte de la facilité de circuler avec cet utilitaire électrique, hein, que ce soit sur le rayon de braquage, mais aussi sur son agilité pour s'extraire des feux rouges, ou dès que vous arrêtez un stop et que vous devez continuer assez rapidement pour passer devant un flot de voitures, bah, il arrive à très bien le faire. Et au final, c'est tout ce qu'on lui demande. Alors le petit bémol, c'est ce que je vous précisais tout à l'heure, hein, c'est le bruit de signalisation de son arrivée auprès des piétons, qui fait en dessous de 20 km/h, qui crée une certaine gêne sonore. Écoutez plutôt. Après, on s'y habitue, et c'est encore une fois, je tiens à le préciser, présent sur beaucoup de voitures électriques. Il faut maintenant conclure l'essai de cet utilitaire 100% électrique, le CRS EC35. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un design rustique, il faut le reconnaître, surtout à l'avant, un habitacle pas très moderne et une puissance faible. Mais heureusement, je vous rassure, il a tout de même beaucoup de qualités. Déjà, une très bonne capacité de chargement de 1 tonne, ce qui est quand même considérable. Il a également 2 portes latérales, un gabarit contenu, et surtout, il est disponible immédiatement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et à remplir le formulaire. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à acheter un utilitaire 100% électrique pour votre usage professionnel, bien évidemment. Bon, maintenant, je vais livrer le moteur de Formule 1 à son propriétaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao !